Des vrais sauvages, je te dis. Ils m'ont balancé de langue dessus, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. De quoi j'ai besoin de recul? Mais je suis très calme, ok? Je suis toujours très calme dans le dico, à calme et ma photo! Le stress, c'est pas bon, vous savez. Bon, on vous embête un peu tout ça, mais pff, c'est gentil, quoi. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ma meuf, elle est anglaise, et puis elle m'a envoyé ça. Je crois que c'est un truc romantique, mais bon, vous voyez, l'anglais, c'est pas trop mon truc, tout ça. Donc je voulais savoir si vous pouvez me la traduire. Assieds-toi. Madame? Madame? Vous savez pas, hein? Bah, bien sûr que si. Bon, déjà, c'est de l'anglais. Non, mais c'est bon, vous êtes pas prof d'anglais. C'est juste que je croyais que tous les profs étaient bilingues. Non, mais je suis bilingue! Non, mais non. Kevin? Bonjour, Sabrina. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimée. Je suis l'agent d'avenir 318 et je travaille à la Société Européenne des Réseaux de Chemins de Vie et je suis là pour t'aider. Bon, voilà, t'es avec moi maintenant, c'est mieux. Hein. Alors, tu es Sabrina, 29 ans, professeure de chimie, c'est ça? Donc, je lis que tu as perdu ton anglais par manque de pratique et que tu es légèrement stressée dans ton travail, ce qui te rend un petit peu colérique, c'est ça? Colérique, non. Faut pas pousser non plus. Enfin... D'accord. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est... Oui, c'est normal. T'inquiète pas. Elle est programmée sur tes colères des deux derniers jours. Attention, spectacle! Taisez-vous! Silence! Tu veux la pousser, ta bagnole, hein? Tu veux la pousser? Oui, non, mais c'est... Enfin, faire attention. Ouais. Parce que... Enfin... Je t'arrache les yeux. Je suis très calme, ok? Je suis toujours très calme. Dans le dico, à calme, il y a ma photo, ok? Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Ouais. Bon. Ça, c'était juste pour que tu comprennes et que tu prennes conscience que tu es peut-être un petit peu fatiguée en ce moment. Maintenant, on passe à la suite. Ça, c'est toi dans 3 semaines. Ah, ça change! Eh oui, après ton Erasmus en Suède. I bang your boyfriend, it was very great. Oh, thank you, that's so nice of you. C'est magique, non? Bilingue et zen. Pas mal l'accent! Hey. Bon, je te rassure, hein, je me suis pas tapé ton mec, tout ça. Quoi? C'était pour la... Non, mais c'était pour que tu comprennes, hein? Eh oui, en Suède, tu as pu réactiver ton anglais parce que tout le monde est bilingue, et en plus, t'as appris à gérer ta classe dans la bonne humeur. Ah non, mais je viens d'avoir une idée. T'imagines si on met ton double du futur face à ton double du passé? Oh, ce serait drôle. Je suis en retard pour mon prochain client. Oui, je suis très en retard même. Une certaine Nabila, tu connais? Non. D'accord, Nabila. Bon, j'y vais, bah Sabrina. Enchantée, et passe le bonjour à Abba de ma part. Qui ça? Mamma mia. Attendez, je fais comment pour le débloquer, moi? Et pour celle-là, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, alors, en gros, elle lui dit qu'elle le quitte pour son frère. C'est ballot. Wow, ma lettre, elle dit quoi, alors? Enfin, c'est... That's so nice of you. Oh, thank you. Je suis calme. Oh, dans le dico, calme, il y a ma photo, ok?